tout, j'ai dit. Bah, envoie une couille, quoi. C'est qui, moi? Le resserre. Ma foi. Resserre-le. Tu vas pas scène tout à l'égout, le mec, quoi. Pas con, est-ce pas ça? Attends, regarde, tout à l'égout. Dis-le-moi. C'est un chat, ça. C'est un chat, ça. Les gars sont pourris, là. Ma grand-mère, elle se caguait pas dessus. Je vais faire la grammaire en binette, pas de binette. Oh, elle avait tout le pantalon blanc, plein de merde. Et de là, elle marchait dedans. Un truc de fou. Le bar et tout. T'as jamais vu ça? Oh, elle rentre dans le restaurant. Juste avant de moi, je suis derrière, tu sais, à la jambe. Elle saute à la mer. Et je les vois, les deux. Oh, les cheveux comme ça. Dessus, la dame, hein. Elle était sur la plage, et des coups, elle a dû se vider, et avec un pantalon style en laine, tu vois, vachement léger. Elle arrive, elle était hyper gênée, mais une dame de 80 piges. Encore, elle arrive, du mac, le paquet. Le paquet, maman. Espèce d'odeur de merde. Et puis je les attends qui marronnent. Je comprends pas trop. Maman, j'ai le paquet. Autre que le paquet, chérie. Le paquet. Tu t'es gagné dessus. Oh. Après, merde, le plus terrible de l'histoire, c'est que. Bon, elle était. Je peux pas la tête. Elle a dit. Quelle merde. Oui, bien sûr. Elle me parle à moi. Moi je les calcule pas, moi. Hop, elle va au pâti. Me fais pas chier, il a dit. Ouais. Tu m'emmerdes. Et elle va au truc. Mais attends, elle avait le panty dessous. Ou je ne sais rien, le morceau de culotte. Hein. Mais elle s'est fait la lessive, hein, dans le lavabo, en bas. Elle a tout nettoyé et tout. Non. Ça sent tellement. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont venus entre temps. Et l'autre, elle était avec son caldé, sa petite culotte, et en train de se nettoyer un peu le pantalon et tout ça. Imagine la dignité, tu la prends, tu la mets à la poubelle. Et c'est deux cons là qui sont en train de se moquer. Mais après, c'est une vieille dame, tu sais. Après, elle est sortie, elle m'a dit à moi. Elle m'a dit, je vous dois quelque chose. Non, madame. Bon, après, je me suis moqué aussi. La phrase, venir ici. Elle arrive, le phrase, plein de demi, elle s'est cagée dessus, la gadine. Alors après, on a fait l'histoire. T'es tranquille, comme ça, sur la plage. Oh, tu passes à rien. Et puis, des coups. Comme un chasseur, nu sur les gars, des chien dans le froc, on va faire un truc de malade. Ça nous est arrivé quand même. C'est beau, hein. T'es fou, t'as ça, c'est l'été. Oui, t'es bien. La crotina. Revire. Tu veux finir comme Rémi. Oh, j'arrive au coton. J'avais pas les plus gros que ça. Je reste au deuxième carreau. Là. C'est bon, c'était pas mal. Il me reste 4 jours. Je pense qu'il va faire un dernier. Ça fait 96 heures. Quel souvenir que j'ai de cette émile. Demain, je viendrai qu'à 10 heures. Tout, t'as mis. Et tout vu, hein. C'est bon, c'est ça, bon, que ça soit frais. Mais faut pas que tu mettes de la glace. En fait, il faut que ça sorte bien du frigo. Ah, voilà. Non, mais c'était bon. Ouais, c'est bon, je le fais bien, ça. Voilà. Je le fais bien. Ah, tu vas nous faire le mariage, et moi le poulain, je le mange. Vas-y, mange-le. Il est devenu couleur. Déjà qu'il était rouge, après il était rouge et rouquin, et il est devenu violet et marron. Et le truc, c'est que tu ne mets pas d'orange, tu mets le feca ou je suis bien. Après, tu mets tous les fruits que tu veux.
Il faut mettre la vanille et la cannelle, voilà, c'est tout. Le piment, et le gingembre coupé fin. Histoire que tu aies la trique de la soirée, tu as compris. Un peu de pistou, de... Un peu de 3-4 pilules de Viagra dedans. Je toute de la vie. Il a envoyé 4-5 pilules de Viagra dedans, 4 Cialis. Tu as compris. Dormais sur le ventre, j'ai laissé les fenêtres ouvertes. Avec le courant d'air, je faisais la toupie. Oh, je te fou, j'ai vomi. Et t'es sur la piste. Oh, je touche rien d'autre. C'est un tour du pied, gros. On est beu. C'est pour ça que j'ai vomi. Ça passe tout. Je vais pas te dire. À ma foi. À bon coup, à bidon. Toi, tiens mal, dis rien. Ça me plaît pas. Oh, tu vas au flasque? Tu vas au flasque? Il n'y a qu'une toilette. Ouais, tu sors, il y a une dame qui attend. Oh, tu sors du patch, tu rentres. Il y a une dame qui attend. Tu sors des toilettes. Ça me plaît pas. Alors j'ai dit, bloque-moi le patch. Ouais, tu sais, s'il te plaît pas. Après, elle te voit, tu lui sers la pizza et tout ça. Elle dit, putain, elle va l'enculer, tu pues du cul. Ouais, ouais. Comme toi. J'étais accusateur. Je rentre, ça fait déjà le pourri. C'est court, rapido, hop, je sors avec quelqu'un qui rentre. Il fallait que c'était moi. Après, il a fait ça. C'était lui. J'étais en train de frotter par terre. Écoute celle-là, Ça, c'est magnifique. Ouais, je me suis régalé. Je crois que je peux y aller parce qu'il venait d'y passer, tu vois. Je crois que je peux y aller et tout. Il me dit, je serai toi, j'attendrai au moins 10 minutes. Je lui dis, c'est Beyrouth. Je lui dis. Je ne conseille pas, tu vois. Il dit, bon, ça va, j'attends. Et j'étais en train de frotter, j'avais commencé une petite partie du bar. Ah ouais, trop et beau. La femme, elle me fait, oh, je vais aux toilettes. Madame, arrêtez-vous. C'est mouillé. C'est mouillé, tu sais. Et là, c'est tout. Je crois que. Allez-y. Oh, il a forcé à y aller. Je me dis, non, mais ça va, j'attends. Allez-y. Non, mais ça va. Mais allez-y, comme ça, je frotte avec vous y aller. Après, je frotte derrière. Ouais, j'étais pété de rire. Allez, elle est sortie, elle était comme ça. L'œil, il était sur le côté. En plus, je lui ai dit, non, on y va. Il me dit, tu crois que je peux y aller? Je lui ai dit, non, sourd, sans déconner, j'en sors. Sans déconner, c'est Beyrouth. Il va pas. Et la gonzesse, bon, hein, il lui dit, non. Après, il lui dit, ouais, vas-y. Allez-y. Mais non, j'attends. Allez-y, c'est bon. Allez-y, il a forcé, c'est un foiré. Histoire que ça me poisonne. Oh, quelle horreur. On est mauvais, hein, des fois. Alors moi, j'étais derrière, je suis passé, parce qu'il y a un angle mort, tu sais. Alors je suis passé derrière, bon, je rigolais tout seul. J'ai dit, putain, quel enfoiré, mon dingue. Il lui dit non, mais après, il lui dit oui, exprès pour que ça me poisonne. Parce qu'il avait dans la tête. Je sais que tu l'avais dans la tête. Il n'a pas dit pour la dépanner. Vas-y. Ouais. Il n'a pas dit pour la dépanner. Il a dit exprès pour que ça empoisonne. Oh, con. Après, moi, je l'ai pensé. J'ai dit, putain, que bastard. Vas-y, moi, je bois tranquille. Ouais. Tu veux me faire vomir ou quoi? Vomis. Oh, con.